Que veux-tu faire ce vendredi? Que veux-tu faire ce vendredi? J'ai l'intention d'aller au cinéma. J'ai l'intention d'aller au cinéma. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis combien de temps êtes-vous marié? On est marié depuis 5 ans. On est marié depuis 5 ans. J'aimerais paraître plus jeune. J'aimerais paraître plus jeune. J'aimerais paraître plus jeune. J'ai entendu dire que l'eau potable aide à garder une peau jeune. J'ai entendu dire que l'eau potable aide à garder une peau jeune. Combien de personnes devrions-nous inviter? Combien de personnes devrions-nous inviter? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Je peux cuisiner des spaghettis et faire une salade. Je peux cuisiner des spaghettis et faire une salade. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. C'est une bonne chose. Je suis heureuse pour toi. C'est une bonne chose. Je suis heureuse pour toi. Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, il fait chaud aujourd'hui. Oui, il fait chaud aujourd'hui. Tu as l'air pâle aujourd'hui. Tu as l'air pâle aujourd'hui. Tu as l'air pâle aujourd'hui. Je n'ai pas dormi et je n'ai pas pris le petit déjeuner. Je n'ai pas dormi et je n'ai pas pris le petit déjeuner. Qu'a dit le médecin? Qu'a dit le médecin? Il dit que j'ai besoin de médicaments et de sommeil. Il dit que j'ai besoin de médicaments et de sommeil. Tu te sens toujours malade? Tu te sens toujours malade? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Tu aimes ton travail? Tu aimes ton travail? J'ai hâte de venir travailler chaque jour. J'ai hâte de venir travailler chaque jour. Combien y a-t-il de personnes dans votre famille?
Combien y a-t-il de personnes dans votre famille? Nous sommes sept dans la famille. Nous sommes sept dans la famille. Tu devrais manger plus. Tu devrais manger plus. Non, merci, je suis rassasié. Non, merci, je suis rassasié. Mes articulations me font mal. Mes articulations me font mal. Voici de la crème pour t'aider. Voici de la crème pour t'aider. Tu es prête pour demain? Tu es prête pour demain? Non, pas encore. Non, pas encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Que veux-tu faire après l'obtention de ton diplôme? Que veux-tu faire après l'obtention de ton diplôme? Je vais continuer mes études. Je vais continuer mes études. Peux-tu m'appeler? Peux-tu m'appeler? Oui, je t'appellerai ce soir. Oui, je t'appellerai ce soir. On dirait qu'il va faire beau. On dirait qu'il va faire beau. Oui, c'est beaucoup mieux qu'hier. Oui, c'est beaucoup mieux qu'hier. À quelle heure rentres-tu à la maison? À quelle heure rentres-tu à la maison? Vers 17h. Vers 17h. Tu viendras me chercher? Tu viendras me chercher? En arabe, هل ستأتي لاستحابي أو هل ستأتي لأخذي? Tu viendras me chercher? Le premier verbe, c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe, conjugué au futur. لدينا فعل يأتي مصرف في المستقبل. Tu viendras me chercher? On peut dire par exemple, à quelle heure? À quelle heure? في أي ساعة? À quelle heure? C'est le tien? C'est le tien? En arabe, هذا لك أو هذا لك? C'est le tien? Oui, c'est le mien. Oui, c'est le mien. En arabe, نعم إنه لي أو نعم إنه ملكي. Oui, c'est le mien. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. En arabe, شكرا لمساعدتك. Merci pour ton aide. Ce n'était rien du tout. Heureux de t'aider. Ce n'était rien du tout.
heureux de t'aider. كان ذلك لا شيء على الإطلاق سعيد لمساعدتك. Ce n'était rien du tout. Heureux de t'aider. J'ai échoué aux examens. J'ai échoué aux examens. En arabe, لقد فشلت في الامتحانات. J'ai échoué aux examens. Ici, on a le verbe échouer, un verbe de premier groupe, yani fi'l yefshalo, conjugué au passé composé, musarraf fil madi al murakkab. J'ai échoué aux examens. Tu devrais étudier plus. Tu devrais étudier plus. Le premier verbe, c'est le verbe devoir, conjugué au conditionnel présent. أول فعل هو فعل يجب مصرف في صيغة الشرط. Tu devrais étudier plus. Tu as l'air heureux aujourd'hui. Tu as l'air heureux aujourd'hui. En arabe, تبدو سعيدا اليوم. Tu as l'air heureux aujourd'hui. Je suis très heureux, j'ai réussi l'examen. Je suis très heureux, j'ai réussi l'examen. En arabe, أنا سعيد للغاية أو سعيد أنا سعيد جدا لقد نجحت في الامتحان. Je suis très heureux, j'ai réussi l'examen. Tu sais nager? Tu sais nager? هل تعرف السباحة? Tu sais nager? On a le verbe savoir, يعني يعرف, conjugué au présent de l'indicatif. Et le verbe nager, يعني يسبح. Tu sais nager? Je peux nager de courtes distances. Je peux nager de courte distance. يعني يمكنني السباحة لمسافات قصيرة. Je peux nager de courte distance. Je suis désolée, mais je ne trouve pas le carnet que tu m'as prêté. Je suis désolée, mais je ne trouve pas le carnet que tu m'as prêté. En arabe, أنا آسف لكن لا أجد دفتر الملاحظات. Le carnet, يعني الدفتر الذي ندون فيه. لا أجد دفتر الملاحظات الذي قدمته لي أو الذي أعرتني إياه. Le verbe prêter, يعني يعير. يعني عندما تعطي شيئا ما لأحد ما لوقت معين. أنا آسف لكن لا أجد دفتر الملاحظات الذي أعرتني إياه أو الذي قدمته لي. Je suis désolée, mais je ne trouve pas le carnet que tu m'as prêté. On peut dire par exemple, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. يعني بالعربية ليس هناك مشكل. On peut dire par exemple aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et aussi on peut dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Animta jayidan ou hal nimti jayidan? Tu as bien dormi? Non, je ne pouvais pas m'endormir. Non, je ne pouvais pas m'endormir. Yani bil'arabiya la lam astati' an-nawm. Non, je ne pouvais pas m'endormir. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? يعني بالعربية ماذا نفعل بعد ظهر اليوم? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On peut dire par exemple allons
à la plage. Allons à la plage. يعني اللي نذهب إلى الشاطئ. Allons à la plage. Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? يعني بالعربية ماذا كنت تفعل أو ماذا كنت تفعلين عندما اتصلت بك أو بك؟ Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? Par exemple, on peut dire j'étais sur le point de partir. J'étais sur le point de partir signifie en arabe kuntu ala washak al-mughadara. J'étais sur le point de partir. Comment tu as passé ta journée? Comment tu as passé ta journée? Kayfa qadayta yawmaka ou kayfa qadayti yawmaki? Comment tu as passé ta journée? Par exemple, on peut dire comme d'habitude. Comme d'habitude, kal'ada. Comme d'habitude. S'il te plaît, prête-moi ta voiture. S'il te plaît, prête-moi ta voiture. Bil'arabiya min fadlika a'irni ou aqridni sayaratak. S'il te plaît, prête-moi ta voiture. إذا أردت أن أجيب بهذا الجواب وأقول آسف سأحتاجها للذهاب إلى الطبيب، فكر قليلا كيف أعبر عن هذه الجملة. نعم، désolé, je l'aurais besoin pour aller au médecin. Désolé, je l'aurais besoin pour aller au médecin. هذا الجواب كان بالرفض، سوف نرى جوابا آخر بالإيجاب. نعم بكل سرور ولكن يجب عليك إعادتها إلي في أسرع وقت ممكن. أعلم أنها جملة طويلة يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم oui avec plaisir mais tu dois me la rendre le plus vite possible. Oui avec plaisir mais tu dois me la rendre le plus vite possible. Je veux te parler. Je veux te parler. Signifie en arabe أريد أن أكلمك. Je veux te parler. إذا أردت أن أقول هذه الجملة هل يمكنك الاتصال بي بعد ساعة؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Peux-tu m'appeler dans une heure? Peux-tu m'appeler dans une heure? On peut dire aussi tu peux m'appeler dans une heure? Tu peux m'appeler dans une heure? J'ai attrapé un rhume. J'ai attrapé un rhume. En arabe, أخذت بردا. J'ai attrapé un rhume. إذا أردت أن أقول لا تذهب إلى العمل إذا كنت مريضا. نعم. Ne va pas au travail si tu es malade. Ne va pas au travail si tu es malade. Qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que tu feras demain? Bil'arabiya, ماذا ستفعل غدا? Qu'est-ce que tu feras demain? Ici, on a le verbe faire, conjugué au futur. On a لدينا فعل, يفعل مصرف في المستقبل. Qu'est-ce que tu feras demain? تذكرون كنا قد رأينا هذه الجملة كيف نعبر عنها بالفرنسية؟ ليست لدي أدنى فكرة. كنا قد رأيناها في درس سابق. نعم.
Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Tu te couches tard d'habitude? Tu te couches tard d'habitude? بالعربية هل تنام عادة متأخرا؟ Tu te couches tard d'habitude? Ici on a le verbe se coucher, un verbe pronominal de premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل ينام مصرف في الحاضر. فعل مركب. Tu te couches tard d'habitude? إذا أردت أن أقول مثلا فقط في نهاية الأسبوع. نعم. Seulement le weekend. Seulement le weekend. On peut dire aussi uniquement le weekend. Uniquement le weekend. On sera à l'heure, n'est-ce pas? On sera à l'heure, n'est-ce pas? En arabe, سنكونو في الوقت, يعني في الوقت المحدد. أليس كذلك؟ On sera à l'heure, n'est-ce pas? On sera à l'heure, n'est-ce pas? إذا أردت أن أقول مثلا أتمنى ذلك. Oui, très bien. Je l'espère bien. Je l'espère bien. يمكن القول كذلك. Je l'espère. Je l'espère. Quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que tu reviendras? En arabe, متى ستعود. Quand est-ce que tu reviendras? إذا أردت أن أقول مثلا سأعود يوم السادس والعشرون يعني السادس والعشرون من الشهر. نعم. Je reviendrai le 26. Je reviendrai le 26. Ici on a le verbe revenir, يعود, conjugué au futur. Combien de temps es-tu au chômage? Combien de temps es-tu au chômage? منذ متى وأنت عاطل عن العمل؟ Combien de temps es-tu au chômage? أو يمكن القول كذلك كم من الوقت وأنت عاطل عن العمل؟ Depuis deux mois. Depuis deux mois. منذ شهرين. Depuis deux mois. Tu devrais manger plus. Tu devrais manger plus. يجب أن تأكل أكثر. Tu devrais manger plus. إذا أردت أن أقول ليس لدي شهية. نعم. Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas d'appétit. Il était absent hier. Sais-tu pourquoi? Il était absent hier. Sais-tu pourquoi? كان غائبا بالأمس. هل تعرف لماذا؟ Il était absent hier. Sais-tu pourquoi? مثلا إذا أردت أن أقول أعتقد أنه كان مريضا. نعم. Je suppose qu'il était malade. Je suppose qu'il était malade. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بك؟ أو ماذا كنت تفعلين عندما اتصلت بك؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعليق. Et voilà, chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum.